Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour avoir les têtes dans Minecraft des monstres disponibles. Et c'est parti. Bon, tout d'abord, il va nous falloir déjà. Je vais vous montrer toutes les têtes qui existent. Hein. Joli et donc et quand on marche la bouche mais qui a aussi une autre superbe particularité qui est le fait que si elle est alimentée par un système en redstone elle bouge elle-même. Si j'arrive à mettre ça, on peut le voir là, ça bouge. Donc ensuite on a la tête de pigle hein, cette fois qui ressemble à ça et qui a les oreilles qui bougent aussi quand on marche. Donc ceux qui ont peut-être deviné, c'est exactement pareil pour les systèmes de redstone. C'est un peu bizarre, ça bouge pas dans le même sens, enfin dans le même time. Parce que comme c'est drôle, après on a la bonne tête de creeper. Ça me l'a pas mis. Après, ne vous en doutez pas, il y a évidemment aussi une petite utilité, hein, c'est pas juste être avec une tête de monstre hein, pour faire peur à ses potes. Hein. Ça réduit le, comment ça s'appelle, le champ de visibilité des monstres pour qu'ils remarquent et qu'ils vous attaquent. Quand par exemple on peut dire que on imagine qu'un creeper, c'est au bout de 7 blocs autour de lui qui vous voit si vous approchez avec une tête, ça passera à 3, ça se trouve. Donc en fait ça réduit le temps. Enfin je crois que c'est vraiment ça en plus, c'est peut-être 5. J'ai plus les chiffres, hein, faut regarder sur internet. Donc voilà. On a aussi la bonne vieille tête de Steve, hein. Enfin qui est une tête de joueur, mais bon, j'ai pas mis un corps de Steve. Hein. Voilà. Par contre, sur un Steve, ça passera drôle. Là, on pourrait s'amuser à dire qu'il a pris la grosse tête. Alors voilà. Et notre bonne vieille tête de Wither. Squelette. Ouais. Comment on les obtient? En réalité, c'est assez simple pour quasiment toutes les têtes, sauf pour une. Certains l'ont deviné, c'est la tête de dragon. Donc pour l'obtenir, je vais le faire juste pour une tête. Après pour le reste, ça sera à vous de le faire. Parce que je ne vais pas vous montrer pour chaque tête, ça fonctionne. Donc on va d'abord prendre un creeper. Voilà. Besoin. Que ce soit pour avoir une tête de creeper ou une autre tête, vous aurez toujours besoin d'un creeper. Ensuite, on va prendre un trident. Vous allez comprendre ensuite pourquoi. Ensuite, on va prendre une enchantement canalisation et je vais prendre une enclume. Donc maintenant, je vais me faire un trident avec enclume, canalisation. Donc, normalement, je ne sais plus si c'est l'orage. Certains, si vous savez comment on utilise le trident, canalisation et à quoi il sert. Donc. Pour ceux qui ne savent pas, le canalisation, comme vous pouvez le voir, là, fait apparaître des éclairs, mais à condition que nous avons l'orage. Donc vous êtes obligé d'avoir un orage. Donc pour avoir les têtes, ça complique un peu. Donc on va poser un creeper. Une différence entre un creeper normal et un creeper dit chargé, que je vais vous montrer ensuite. Un creeper normal a ce rayon-là d'explosion, alors qu'un creeper chargé. Tiens, il va nous faire la démonstration, toi, c'est ça? Et un plus gros truc. Et comme vous pouvez le voir, j'ai tenu la tête du squelette. Donc maintenant, vous savez comment ça fonctionne. Si vous voulez, je peux vous remontrer. Donc d'abord, faites apparaître un creeper. Donc il faut qu'il soit chargé, donc je vais recevoir un éclair. La probabilité qu'il reçoive un éclair alors que vous n'avez pas un trident canalisation est très mince. On peut s'amuser avec de la laine, mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut avoir un trident avec canalisation. Vous pouvez s'obtenir avec un villageois ou vous pouvez l'obtenir en le pêchant si vous avez de la chance. Donc il ressemble à ça, il est très joli. Ensuite je vais faire pareil pour un autre creeper. Et voilà, il a joué sa tête. Donc c'est comme ça. Ça fonctionnera pour tous les mobs sauf la tête de dragon. On va falloir s'amuser à aller dans le. Comment ça s'appelle, si j'ai perdu le mot. Le Nether, voilà.
Bon, je vais essayer d'aller dans l'under, mais je crois que peut-être y avoir avec un slash TP, ça se trouve. HTP en base 1. Est-ce qu'on peut pas utiliser Minecraft Under? Ah si, ça fonctionne parfait. Fonctionne pas mince. Ah bon, comment je vais faire ça? Je vais mettre les vies en pause et je vais dans le nether. À toute. Bon voilà. Alors maintenant qu'on est ici, il va falloir s'amuser à battre le dragon. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est un peu compliqué, donc mais bon, faut pas lui faire exploser sa tête avec un creeper chargé, ça fonctionnera pas. Donc attends juste et battre le dragon si jamais il va le toucher. S'il arrêtait de tourner dans tous les sens aussi. Laisse-moi te frapper. Casse les pieds, dragon. Bon, ça montre que son niveau de PV est extrêmement haut. Voilà. Comme ça, j'en finis. On va attendre. On va être obligé de faire tout ton cirque hein, pour exploser. Aller dedans. Bon, comme on peut pas détruire la bedrock, il faut s'amuser et utiliser un œil under pour passer dedans, enfin une perle d'under. Bon, moi je vais détruire la bedrock, c'est plus simple. Voilà. Ensuite, maintenant qu'on est arrivé, bon, j'ai eu du bol, faut trouver ce genre de structure, donc où on obtient les élytras. Et évidemment, faut avoir ce petit bateau. Quand on a du bol, on a plusieurs, donc là-bas on peut en voir un deuxième bateau. Très pratique pour ceux qui sont en multijoueur. Oh, c'est très drôle comment ça charge en violet ici. Donc maintenant on va aller sur le bateau. Et on a notre petite tête de l'under ici. Tiens, je fais un jeu de mots avec l'émissaire Cité d'Or. Donc on l'a, donc évidemment on va falloir s'amuser à prendre la terre dessous pour éviter qu'il tombe dans le vide. Sinon ce sera votre faute. Voilà, enfin, il y a peu de rois qui tombent dans le vide, mais bon, c'est pas arrivé. On le détruit et là vous aurez votre petite tête de dragon. Sinon, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche. Et je vous dis à plus pour un prochain Clergy.